Pote, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. En fait, j'ai filmé genre pendant 3 semaines. Sauf que ça voulait rien dire en fait. Donc, du coup, vous ne verrez pas le vlog précédent parce que je vais même pas le monter en fait. Ça sert à rien. Et là, je repars sur une bonne base pour vous annoncer que la sèche commence officiellement demain. Aujourd'hui, on est dimanche 9 mai. Et je fais le dernier bilan de prise de masse avec mon coach. J'étais en train de commencer à remplir et je me suis dit que j'allais vous donner quelques chiffres pour que vous voyez un petit peu d'où je suis partie et d'où je vais commencer la sèche du coup. Puisque ça fait déjà quelques mois que je suis suivie par mon coach. On n'a pas attaqué la prépa directement. On est reparti sur un petit déficit calorique pour le réaugmenter après. Et je suis très très contente des résultats. Donc là ça fait 30 semaines que je suis suivie, alors je sais pas en mois ce que ça fait, j'ai pas trop calculé, je crois qu'on a commencé au mois d'octobre et donc on est au mois de mai. Donc j'ai commencé à 70 kg 9, autant dire 71 kg et je vous insérerai quelques photos si j'y pense, faut vraiment que j'y pense. Donc 70 kg 9, tour de fessier j'étais à 102, poitrine, désolé s'il y a du bruit, ils font des conneries avec les motos. 91,5, épaules 107, nombril 74, hanches 93, les bras j'étais à 32 tous les deux et les cuisses j'étais à 59. Et donc aujourd'hui je suis à 101 cm de tour de fessier, donc j'ai perdu 1 cm. Poitrine, j'ai perdu 10,5 cm. Alors je sais qu'il y a le dos aussi, mais quand même ça fait beaucoup. Donc là je suis à 81 cm. Épaules, j'ai pas bougé, je suis égale. Nombril, j'ai perdu 6 cm, je suis à 68. Hanche, j'ai perdu 5 cm, je suis à 88. Bras gauche, ça a pas bougé. Bras droit, 33, mais je pense que c'est à peu près. Enfin, c'est pareil, quoi, en gros. Cuisse gauche, j'ai perdu 5 cm, je suis à, 54, pardon. Et cuisse droite, j'ai perdu 4,5 cm, je suis à 54,5. Donc voilà, et en termes de poids, donc j'étais à 70,9 et là aujourd'hui je suis à 62,2, n'importe quoi, à 68,2, en sachant que j'ai fait pas mal le yo-yo, mais il n'était pas à cheval sur le poids, lui c'était plus les mensurations qui n'ont pas cessé de bouger, donc ça c'était trop bien. Donc j'ai perdu 2,7 kg, mais je suis descendue plus bas, le plus bas que j'étais c'était 66,5 je crois. Mais comme j'avais pas un gros déficit, c'est normal que la perte de poids ne soit pas flagrante. En tout cas, je suis très contente. J'ai fait les avant-après que je vais poster ce soir sur Insta. Donc sur Insta, évidemment, vous les avez avant. Donc il faut me suivre sur Insta. Je vous laisse mon nom juste ici. Et pendant le mois de mai, je fais un post par jour. Donc vous aurez 31 posts pour ce mois-ci. C'est encore un gros truc que je me suis... Enfin, je me suis encore lancée là-dedans, mais j'ai pas tous les posts de près. Donc... je sais pas ce que ça va donner, j'espère que je vais y arriver. Et donc voilà, alors je veux vous expliquer 2-3 trucs. Donc là on part sur quasiment 4 mois de prépa. Franchement j'ai trop envie, j'ai trop hâte, j'ai hâte de voir ce qui se cache un petit peu là-dessous quand même. Parce que je suis encore bien grassouillette, hein, on va pas se mentir. Et le fait d'avoir pas fini ma prépa l'année passée, bah, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment emmerdée. Bon, du coup, au niveau des vlogs, comment ça va se passer? Techniquement, j'aimerais vous filmer une semaine entière. Alors, je sais pas trop ce que je vais vous filmer, du coup. Un peu mes entraînements, je pense quand même. Ma diète, et puis mon ressenti, savoir comment ça se passe et tout. Parce qu'on part quand même sur 4 mois de prépa. Donc voilà, ça me fait très bizarre de me dire que ça y est, j'y suis enfin. Mais j'ai tellement hâte. Ah, bref, voilà. Donc, j'ai eu mon coach au téléphone hier et on s'est mis d'accord sur quelques points, au niveau de la diète notamment. Donc, j'aurai des jours on et des jours off, évidemment, pour m'entraîner, ce qui est logique, je ne vais pas m'entraîner 7 jours sur 7. Mais du coup, au niveau de la diète, ça change. Il me met des calories plus bas pour les jours où je ne m'entraîne pas. Je m'y attendais, honnêtement, mais... il voulait voir avec moi si je restais sur une diète flexible ou une diète stricte du coup. Parce que là j'étais repassée en diète flexible puisque ça me convient très très bien au final. Donc moi je lui ai dit que je préférais rester sur une diète flexible pour mes jours on et pour mes jours off. Au pire passer sur une diète stricte, comme ça j'ai pas à me faire chier à rechanger toutes mes macros dans l'appli et tout. Parce que ça clairement c'est chiant quand tu as des jours on et off de tout rechanger à chaque fois.
Donc, on s'est mis d'accord là-dessus. Jour on, diète flexible, et jour off, diète stricte. Comme ça, c'est clair. Il m'a dit que le cardio, pour l'instant, je restais juste à une fois 30 minutes par semaine. Donc, voilà, mais je sais que ça va augmenter, évidemment. Il m'a aussi changé des compléments alimentaires. Il faut que je prenne de la... Alors, peut-être pas tout de suite, mais de la vitamine D. J'en prendrai sûrement. Et du magnésium. Voilà. Je continue la créatine pour l'instant. Et j'ai aussi du ZMB et de la taurine que je finis. Et puis, il m'a dit, si t'en ressens pas le besoin, tu... Voilà, j'arrête. Et voilà. C'est tout. Il n'y a rien de fou pour l'instant. Ça va être que le début. En sachant que les salles de sport, logiquement, réouvrent prochainement. Donc là, je suis toujours à 4 séances par semaine. Mais il m'a dit, dès que ça réouvre entièrement, on passe à 5 séances. Parce que clairement, 4 séances, moi, ça me gave. Et il m'a dit que 5 séances, ce serait quand même beaucoup mieux. Donc, voilà, j'ai hâte d'avoir les salles de sport qui réouvrent normalement. Même si j'ai beaucoup de chance d'avoir ma salle de sport ouverte, hein, je crache pas dessus. Mais c'est vrai que quand t'as l'habitude de t'entraîner plus, et ben, ça fait un peu chier. Donc voilà. Donc là, j'envoie mon bilan. Et puis, je pense que je vous reprendrai de toute façon demain. Parce que là, ce sera le début du vlog, mais ce sera le vlog sur toute la semaine. Il faut absolument que je finisse. Là, j'ai un vlog à vous mettre en ligne que je repousse depuis des mois. Enfin, des mois. Peut-être pas des mois quand même, mais voilà. Et j'en ai un autre à finir de monter. Et après, je vous balance tout. Voilà. Hello. Bon, ça y est, on est rentré officiellement dans le premier jour de sèche. Ça y est, c'est parti. Alors, ce matin, j'ai travaillé. J'ai fait 6h, 12h30. Et là, il est 13h. Je viens de finir de me faire à manger. C'est... Mila qui gueule. C'est toujours la même chose, franchement. J'adore cette association. Ça fait des mois que je mange ça le midi. Mais il y a des fois je change, mais c'est très rare quand même. En général, c'est ça. C'est œufs, pâte de lentilles corail, brocoli ou un autre légume, peu importe. Et du concentré de tomate. Et franchement, c'est basique, mais c'est tellement bon. J'aime trop. Du coup, bah là, je me fais ça. Et je pense que ce sera mon plat pendant pas mal de temps. Après, dès que je m'en lasserai, bah, je changerai. Mais j'aime bien. Parce que ça m'apporte plein de protéines. Et l'association est cool. Donc voilà. Je vous reprendrai après pour vous dire un peu mon programme de l'après-midi. Qui va encore être surchargé. Mais ça va le faire. Ça va le faire. J'ai fini de manger. Je prends mon petit dessert. J'ai juste un petit carré de chocolat parce que bah, j'ai d'autres choses à manger pour ma collation et pour ce soir. Du coup, je me freine un petit peu sur mon dessert. Ah bon quand même, hein. Mais c'est petit. J'ai 2-3 courses à faire et après je vais m'entraîner. Et après je vais récupérer Noël à l'école. Rien de bien foufou, mais il faut que je le fasse. C'est quand même bon le chocolat. Bon, voilà mes toutes petites courses. C'est très rare que j'ai si peu de choses, mais là c'était juste pour compléter des choses qui me manquaient. Surtout des légumes. Donc j'ai pris des courgettes, concombres, carottes, brocolis, patates douces et des bananes. Ensuite, j'ai repris du ketchup zéro parce que j'en avais plus du tout et Noan, il en mange aussi. Ça, c'est pour les garçons. J'ai repris du chocolat parce que j'en avais plus. Des petits carrés frais, ça, c'est pour mettre avec le concombre. Du fromage blanc à 3%. Du skyr et des petites boissons comme ça. Je vous les avais déjà présentées, c'est trop bon. J'en bois de temps en temps, c'est assez rare déjà que j'en trouve, mais j'en bois pas tout le temps. Voilà, vraiment c'était un bébé retour de course. Hein. Hello, bon on est mardi, je vous parle juste vraiment 30 secondes. Je pars au boulot dans 15 minutes et j'ai mon fromage blanc avec mon muesli à manger. Il est 11h15 et exceptionnellement je commence à midi. C'est pas du tout les mêmes horaires que j'ai d'habitude, donc c'est pour ça que je suis un peu en galère là. J'ai pas l'habitude de commencer à cette heure là. Je
Je me suis entraînée ce matin, je vous ai filmé quelques trucs mais pas tout parce que j'avais pas trop le temps. Du coup je vous les mets juste maintenant. Je vous reprendrai plus tard, genre ce soir ou demain, je sais pas. Parce que là j'ai vraiment pas le temps. Et coucou! Bon, on est mercredi après-midi. Je m'apprête à aller au sport et j'ai reçu un petit colis. Je l'ai déjà ouvert parce que je savais pas ce que c'était en fait. Donc du coup je me suis dit qu'avant de vous montrer j'allais quand même ouvrir. Enfin j'ai pas essayé encore. Oula, ça a l'air grand. C'est une collaboration avec la marque Fitness Style. Hop. Donc je vais vous montrer porter, ce sera beaucoup plus simple. Mais en gros j'ai une brassière comme ça. C'est moi qui ai choisi. Parce qu'il y a des fois avec les marques tu choisis pas forcément ce que tu veux. Et là c'est moi qui ai choisi. Donc je suis très contente. J'ai juste un peu peur que ce soit grand. Le haut me paraît grand. Mais bref, c'est pas grave. Je vais essayer puis je verrai. Et je suis grave contente. La tenue est trop belle. Alors c'est pas la même couleur le haut et le bas. Parce qu'en fait c'était pas un ensemble. C'était la brassière d'un côté et le legging de l'autre. Mais c'est moi qui ai choisi de faire cet ensemble là. Oh, j'adore. Et j'ai fait le test. Et ce n'est pas transparent. J'ai toujours un peu peur quand j'ai des collabs que les leggings soient transparents. J'ai enlevé les... Il y a les coques comme d'hab. Je les ai enlevées parce que j'aime pas... Moi j'aime pas la forme que ça me fait. Mais après vous pouvez très bien les garder. Franchement grave joli. Et du coup il y a son petit, sa petite marque ici. Et sur le leggings. Voilà, j'adore. Je vous mets son lien en barre d'infos évidemment. Et si jamais entre temps j'ai un code promo, je vous le mettrai par là. Sur ma grosse tête. Mais pour l'instant j'en ai pas. Donc je vais voir avec elle si je peux en avoir un. Hello. Bon, on est samedi. Je parle doucement parce qu'il est 6h et que tout le monde dort là-dedans. Et c'est mon premier jour off en sèche. Donc ça veut dire que je ne m'entraîne pas et que mes calories sont bas. Donc là, je suis à 1700 calories pour aujourd'hui et demain du coup. Et toute la semaine, j'étais à 1800. Non, pas du tout, pas à 1800, à 2100. La semaine s'est très bien passée, mais je vous ferai un retour de toute façon demain parce que demain, je fais mon bilan avec mon coach. Le poids est descendu toute la semaine, enfin il s'est maintenu et il est descendu un petit peu, donc c'est très bien. Et je prendrai mes mensurations demain, enfin bref, je vous montrerai tout demain. Je vous ai pas trop pris fin de semaine parce que j'étais juste débordée, donc voilà, j'ai pas d'explication, juste je vous ai dit que je vous ferai une semaine complète et que je posterai le vlog après, donc même s'il y a des jours où je filme pas, c'est pas très très grave je pense. Et donc aujourd'hui c'est pas moi qui décide de ma diète, c'est mon coach qui m'a fait ma diète. Je vais pas vous mentir, ça me fait un peu chier de pas choisir ce que je mange, mais bon c'est pas grave. Dans l'ensemble c'est ce que j'aime donc ça va. Juste le plat du midi ça change pas, c'est ce que je mange depuis des mois parce que ça me convient très bien, c'est un mélange que je kiffe. Donc voilà. De toute façon, rejoignez-moi sur Instagram. Je vous montre. J'ai dit quoi sur Instagram? De toute façon, rejoignez-moi sur Insta. Je vous montre tout le temps ce que je mange. Et je vous fais des journées dans mon assiette en réel. C'est plus rapide et ça change un petit peu de YouTube. Là, j'en ai filmé un cette semaine pour le poster. Et en ce moment, il y a un post par jour pendant 31 jours, pendant tout le mois de mai en fait j'ai voulu faire ça, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas aussi quand vous regardez mes vidéos à me taguer dans vos stories, comme ça je vous repartage et ça me fait trop plaisir de voir que vous regardez mes vidéos. Donc voilà, donc là je vais aller préparer, j'ai mes collations à préparer et après je vais partir, voilà. Hello. Bon, ça y est, dernier jour de ce vlog, ça fait une semaine tout pile que j'ai attaqué la sèche. J'ai fait le bilan, je viens d'envoyer le bilan à mon coach là. Je vous ai pas filmé de physique update parce qu'au bout d'une semaine, clairement, pas de changement. Enfin, j'ai perdu genre 300 grammes je crois. Attendez. Oh. Alors, les mensurations n'ont pas bougé. Bah si, j'ai perdu un petit peu cuisse, mais vraiment... très léger. Et le poids, ouais, j'ai perdu 300 grammes. C'est resté très stable en début de semaine. Enfin, j'ai perdu 300 grammes. Dimanche dernier, j'étais à 68,2 et lundi, j'étais à 67,9 et aujourd'hui, je suis à 67,6.
Donc, sur les 4 premiers jours, mon poids était complètement stable, ça n'a pas bougé. Et là, ces 3 derniers jours, il est descendu, mais il est resté stable. Sur les 3 derniers jours, j'étais à 67,6. Donc, là, j'ai envoyé le bilan, j'attends de ses nouvelles. Oh. Aujourd'hui, je suis en jour off, donc j'ai 1700 calories. Déjà, hier, je vous avoue que c'était plus compliqué, j'ai eu faim. Et bah c'est pas la même alimentation que j'ai d'habitude. D'habitude j'ai du peanut butter au petit-déj et tout, là j'en avais pas. Non, j'aime pas les jours off, je préférerais m'entraîner 7 jours sur 7 et être plus haute en calories. Mais ce n'est pas le cas et de toute façon il faut pas s'entraîner tous les jours donc voilà. Et du coup je sais pas trop ce qu'il va me dire. On verra bien. De toute façon, je vous reprends demain dans un nouveau vlog pour vous dire ce qu'il en est. J'ai fait les bilans photo et bilans vidéo. Du coup, pour le bilan, je lui fais une vidéo en posing, trois photos en pose, enfin en relâché et trois photos. Oh non, j'ai deux photos en posing. Voilà, comme ça, il a plusieurs supports pour évaluer mon petit corps. Et puis voilà. Je sais pas trop ce qui m'attend pour la semaine prochaine. On va voir. Je sais pas. Je sais qu'il n'est pas trop partisan d'augmenter trop le cardio au début. Donc, à mon avis, je vais rester sur du une fois 30 minutes. On verra. Ça se trouve, je me trompe totalement. Mais je verrai bien. Et aujourd'hui, je suis invitée chez des copains. Donc, enfin, on est invité. Donc là, je suis pas prête. En fait, je suis pas motivée. Faut que je fasse mon ménage et faut que je fasse ma gamelle pour ce midi et mes collations. Enfin, les collations, ça va vite, hein. C'est du skyr, du fromage blanc. Des galettes de riz, du chocolat. Voilà, j'ai pas grand-chose à manger. Mais bon, ça fera l'affaire. Et en repas, bah, c'est comme hier en fait. Et comme tous les jours, parce que je vous ai dit, je crois. Mais je mange quasiment tous les jours le midi la même chose. Parce que c'est une combinaison qui me convient complètement. C'est des pâtes de lentilles corail avec des légumes, du concentré de tomates et des œufs. Et j'adore ce combo, ça fait des mois que je mange ça. Par contre, le jour où je vais m'en lasser, bah je prendrai autre chose, c'est pas grave. Mais en tout cas, en jour off, c'est ça. Donc je choisis pas ce que je mange. Voilà, mais ça fait que 2 jours dans la semaine. 3 jours. C'est juste que vendredi. Ah oui, vendredi, j'ai été m'entraîner parce que j'avais du temps. Donc j'ai fait une petite séance épaule et dos. Et du coup, j'ai pu manger un peu plus. C'était bien. Et puis voilà. C'est tout. Donc, je vais vous laisser maintenant. Si je refilme, je vous mettrai des clips, mais je pense pas parce que bah, il est déjà 11h moins 10 et j'ai pas encore fait mon ménage et je suis pas prête et tout et tout. Donc voilà. J'espère que cette première semaine avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à m'identifier quand vous regardez mes vidéos, comme ça je vous repartage en story, ça me fait plaisir. Et comme ça je mets un petit peu des visages sur qui regarde mes vidéos. Puis voilà. Moi, je vous fais très gros bisous et puis bah, je vous dis à demain dans une nouvelle semaine pour la sèche. Ciao!